Bonsoir à tous, on se retrouve pour la suite de notre Let's Play One Piece Kaizoku Musou-sri. Et donc ce soir on va, comme il me faut certains jetons qu'il me manque et ils sont surtout sur le début, pour pas avoir à farmer les missions en boucle, on va tester le mode rêve. Je vais voir un peu ce que ça donne. あるものは海賊王を、あるものは財宝を、またあるものは海賊の撃滅を目指して日々戦いに明け暮れていた。そしてここにまた一人熾烈な戦いに身を投じようとする者がいた。 Alors, qui on va prendre? Là, on a le droit vraiment à tout le monde. Sachant qu'on va commencer sur une île level 1. Mais le truc, c'est que je voudrais me faciliter. Donc je pense qu'on va peut-être prendre Luffy. De toute façon, je paierai l'argent amassé, je m'en servirai pour monter le niveau des autres. Mon but, c'est vraiment récupérer des jetons. Mais le problème, c'est qu'on pourra pas changer de perso. Au pire, je peux prendre Sanji, parce que je l'aime assez bien aussi. Il est pas mal monté. Et on va peut-être pas gratter de niveau sur les premiers... pour les premières îles, en sachant qu'on pourra rencontrer des persos qu'on n'a pas vu encore dans le mode story. Mais le truc, c'est que je voudrais m'accélérer aussi. Allez, on va tester avec Luffy. Je vais regarder vite fait un peu les jetons. Il me faut des Kuma, des Oz. Et justement, je voudrais pas me les retaper dans les missions de une heure. Des Kobe, il m'en faut un peu. Des Bueno. Et Trafalgar Law, Boa Hancock, je sais pas encore de toute façon. Là, il me faudrait des Bellamy. Donc on verra si on a de la chance. Là, il me faudrait des NRU. Ça, tiens, j'avais récupéré exprès. J'ai commencé un peu à farmer. Bah tiens, elle, on peut lui finir. Je vais lui faire. Parce que mine de rien, Nami est un peu lente, mais c'est un bon perso. Là, il me faudrait des Baggy. Des Alvida pour elle. Si on avait ça, on pourrait monter et qu'elle ait une deuxième barre. Des Wipers. Alors, Usopp. Putain, mais les mecs, quoi. Chopper, qu'est-ce qu'il lui faut? Je regarde surtout mes persos de base. Voilà, Franky, on va lui monter avec les persos de base. Hein. Les mecs qui récupèrent un peu leur retard. Comme ça, je pourrais les tester et c'est ça qui sera sympa. Et là, le problème, c'est que dans l'émission actuelle, je peux pas les tester. Ah, j'en ai que 4. Là, j'en ai, donc c'est bien. Je pense que Brooks, on pourra l'utiliser prochainement quand elle aura rattrapé au niveau. Oh, Gecko Moria, ça, c'est bien ça. On va lui monter sa def. J'aimerais bien le tester, ce perso. Et après, il y a tous les persos aussi qu'on n'a pas joué mais qu'on a rencontré. Il y en a pas mal qui sont sympas aussi. Baggy, il a l'air assez marrant d'après ce que j'ai vu. Il y a Smoker qui m'intéresserait à essayer. Ça, je suis pas spécialement. Après, il y a ceux qu'on voit pas aussi. Alors on peut changer les costumes. On a le costume normal. Tiens, on va mettre celui de Nouveau Monde. Quasiment le même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, ça c'est pas joli. Celui-là est sympa encore. En carpe. Voilà, c'est plus pour le côté délire. Allez, on va mettre le costume Nouveau Monde. Et on y go. Allons tester ça. On va voir un peu ce que ça nous réserve. Parce que j'ai pas vraiment essayé. Alors ça, je vais zapper un peu. Je sais que ça nous explique un peu voilà, les persos qu'on peut tomber. Ah tiens, on a Ace aujourd'hui.
chance. Voilà, et donc on peut voir qu'il y a un niveau recommandé. Là, c'est niveau 1. Là, ici, c'est niveau 100, donc on n'a carrément pas le niveau. Et là, c'est du 50. Donc on va commencer par les bases, hein, pas le choix. De toute façon, ce sera du pastonnage en bonne et due forme. Je pense que c'est ça l'intérêt. C'est le seul attrait ici qui nous intéresse. Tabasser des gens. Voilà ce qu'on veut voir. Alors, on part du territoire ennemi. Il n'y a pas de condition de défaite. En même temps, c'est du level 1, ça devrait aller. Alors, je retiens jamais leurs codes couleurs. Pourquoi ils mettent pas des touches ou des boutons? En même temps, ils ont gardé les touches PC quand tu joues à la manette. Ça, c'est un peu mal foutu. Autant dans DBZ, ils ont bien fait, ils ont changé. Mais dans ça, Bandai Namco, là. Ou Bandai Namco. Vous avez pas assuré une cacahuète, les gars. Ok, on est parti. Alors, j'espère que ce sera fluide. Normalement, j'ai fait en sorte que oui. Ah, on a des techniques qu'on n'a pas dans le mode histoire encore. Ce qui est logique, vous me direz, parce que là, on a tout qui est débloqué. Ah oui, on a vraiment beaucoup de choses en plus. Alors, comment on y va? Y a un mec dans ma base. Ah oui, il y a les géants, c'est vrai, direct. Même en level 1. Alors j'espère que ça paye, comme ça, bah, ce sera un double avantage. Ah bah, il y a l'eau, tiens. Il y a un autre costume. Bon, normalement ça devrait aller vite. Franchement, en plus avec Trafalgar dans le coin, je me soucie pas du problème. Alors on va faire monter notre équipage aussi, mine de rien, avec certains personnages. Je pense ceux qui participeront avec nous. Même Trafalgar Law ne compte pas, bien sûr, vu qu'il ne fait pas partie des Mugiwara là. Alors je teste un peu les nouvelles choses qu'on a. Que hein. Forcément. Dit nouveau skill, ça fait que les combos sont très différents. Alors, il faudrait peut-être les ramener à l'intérieur, ce serait plus avantageux pour moi. Vu que mon but c'est de prendre les territoires. Gagez avec vos bombes. Restez entre vous.
Viens par là, mon petit. Ah, voilà les renforts. Alors, je regardais, oui, rien que Trafalgar, on sait jamais. Je m'étais dit, why not? Ok, ça c'est good. On va finir les derniers. Salut géant. Ok, il a pas compris ce qui lui arrivait. Et donc dans ce mode, il n'y a pas de coffre par contre. D'après ce que je vois. Mais laisse-moi passer entre tes jambes. Voilà, calme-toi bien. Bon, ça va, ils sont pas très résistants à ce niveau-là. Allez, on est déjà à 500 KO. Bah, moi non plus, j'espère que tu vas pas perdre. Hein. Ah merde, je me suis fait stopper. Tiens, est-ce qu'il a une nouvelle super? Ça pourrait être marrant à voir. Non. Ah si, elle est enflammée. Son poing a l'air en fer. Allez, on avance. Ah, ce chêne avec là-haut. Salut les amis. Comment allez-vous? Le pêchon de la mort. Mieux que Chris quand il tape dans RE5 dans le rocher à la fin. Allez, on fait le ménage. Mission réussie. Ça, c'est fait. Laissez-moi tranquille. Voilà, le territoire ennemi est sous contrôle. Luffy a repéré Franky. Bah hop, où est-ce qu'il est? Alors par contre que je capte un peu, là on a un mec. Bon déjà lui s'est fait choper. Voilà, ça c'est fait. Capitaine en poisson, je sais pas quoi. Et la clé a été obtenue. Bah ça c'est plutôt bien. Moi j'ai juste tabassé des mecs hein. Là, je dois dire pour une fois qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Et il n'y a pas un milliard de personnes à aller sauver. Je vais aller prendre ici. Histoire de protéger mon territoire. Ça me fait marrer, c'est quoi ce truc? Et en plus, j'arrive à côté. Voilà. Juste calmez-vous bien là. Qu'est-ce qui vient de me foutre la merde chez moi? Allez, on va rentrer à l'intérieur. Ah, voilà, il nous demande de l'aide. Calmez-vous bien les mecs. C'est quoi ce robot là? C'est un Franky ça.
Allez, viens ici. Hamburgues. Aïe. Ok. Et voilà, comme ça on récupère des pièces. Ça c'est le plus important. Ah ouais, on voit Frankie en version transformée, encore plus cyborg. Alors, quelle est la suite du plan? Et donc, il est avec nous maintenant. Ok, on a Trafalgar et Frankie. Elle est là-bas. Allez, il y a du territoire à faire. Qui parle? J'ai le temps de lire. Baudi. Là, je sais même pas qui c'est, je crois. Mais il me semble que j'ai besoin de ces pièces. Mais non, mais il me les vire. Allez, on est déjà 1000 KO. Je pense qu'on devrait faire un carton ici. Dans cette mission. Mais oui, ce sera moi. Où est-ce qu'il est, Audi? Tabassage de mob. Ok. Voilà, ça fait bien le ménage. Bah, j'ai bien fait de prendre Luffy. Par contre, pourquoi là-bas ça brille? C'est qui? C'est Franky? Qui là? Non, 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 vous ne me touchez pas. Allez, ça s'appelle se faire os, les amis. Et en plus, on me rend ma barre. Mais si c'est pas mirifique. Par contre, j'ai pas compris s'il y avait un truc spécial à faire. La barre de Kizuna elle est remplie. Oh, il brille encore. Bah, peut-être qu'il faut que je me mette dessus. Baudi remporte la bataille. Mais pourquoi lui il brille? Il est en train de faire son canon. Il est où, Woody? Il est tout en haut. Au nord-est. Il y avait un chemin ici. Je ne l'avais point vu. Salut les gars. Mais de où tu veux couper les gens, toi? Ah, notre ami Trafalgar. C'est bien. Bien donné un coup de main. Ah oui, en fait, il est stun avec un flash. Ce cartonnage. Ça, c'est trop bon pour faire le ménage. Comme ça, tu te promènes au milieu de la map. Après tu leur mets ça. Mais bon, on a le territoire. D'accord les gars. Fermez vos mouilles, c'est ma nouvelle maison.
締まらねえ能力で強さは相当なもんだ。Oh, good. Continuons. Et pendant ce temps-là, OBS me déco. Franchement, manque de respect total. Que me veux-tu? Alors j'ai fait un test de plus d'une demi-heure cet après-midi, même pas un drop, rien. Et là, il me fait des décos pour rien. Alors que c'est en plein après-midi que j'aurais dû avoir des soucis pendant que les choses étaient utilisées. Allez, encore un petit peu, voilà. 1500 KO. Oh. Mais clairement pas. Ouais, j'avance. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on voit le rang des points d'exclamation. Que ça fait partie de la notation. Alors je vais juste dégommer les mecs qui vont me déranger après, vu qu'ils vont venir vers moi. Voilà. Calme-toi bien. Mais je vais d'abord aller vers l'autre territoire. Par là. Oh, j'ai dit que c'était mon territoire. Ah, mais en plus le mec il est tout seul. Ah c'est bien, ils vont péter, voilà son bouclier. Et là il y a un territoire. Allons tabasser du méchant. Comment ça, y a personne? C'est quoi ces conneries? Oh, mais sortez pas, je suis là. Je suis venu exprès pour vous. Je viens, je passe dire bonjour. Salut. Ça vous dirait pas de vous amuser un peu avec moi? Non, il y a plus de respect. Alors les mecs ils se cassent parce qu'ils ont peur. Là je me demande c'est combien, 400, on n'a pas encore le rang S. Donc est-ce que ce serait 500 ou plus? Oh, il y a des mecs qui tombent du ciel exprès pour se faire tabasser. Ça, ça fait plaisir. Voilà, on a le dernier territoire. Oh, dégagez. C'est chez moi, j'ai dit. C'est ma nouvelle maison. Alors lui, il était tout seul, il a mangé pour tous les autres. Bon, il reste encore un territoire et quelques trucs de commandement. Dégagez. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Pour pas vous avoir invité chez moi. Et toi? Oh, bande de merde. Mais tu étais en train de taper ses seufs. Sérieux. Allez des gens, s'il vous plaît, bonjour. Bonjour, c'est une guerre des gangs, je voudrais votre territoire. Putain, quand on passe de Ground Zero en pure infiltration à One Piece Pirate Warrior, c'est très perturbant. Je tiens à le dire. Vu que c'est le dernier jeu auquel j'ai touché récemment. Du Metal Gear et du One Piece, c'est pas du tout la même chose. Perturbé parce qu'avant le Fusel faisait autre chose.
C'était l'ancien, je pense, comme ça, si je me rappelle. Et donc les skills, etc., que l'on débloque, les slots, etc., donc ce serait pour ce mode-là plutôt. Non mais c'est pas moi qu'il faut éblouir. Là on est toujours en rang A quoi. Allez tant pis on y va. Mais bon j'aimerais bien avoir un petit rang S. Tiens alors c'est qui lui? Parce que lui il me dit rien du tout. Ouais. J'en suis quasiment sûr. Bon bah ce sera pas avec le 450 donc c'est possible que ce soit le 500. Bonjour mon ami. Je ne sais pas qui tu es mais on m'a demandé de te tabasser. Il y a des bombardements. À quoi tire? Bon déjà ça a l'air d'être un homme poisson. Je crois que je l'ai peut-être vu ici dans la phase. Je pense que c'est la suite où on est arrivé après. Impel Down. Parce qu'après ils vont sur le territoire des hommes poissons. Les potes Arlong. Bon là tu m'as énervé. Je viens de le dire, tu m'as énervé. Tiens, on l'a pas vu avec Franky. Ah, il a mangé. Et on a fait 2000 kills. Et des nouveaux jetons. Mince, je peux pas finir de les tabasser, ça c'est dégueulasse. Ouais, c'est l'heure d'aller faire la teuf. Oh, il y avait un géant. Il y avait un copain géant. Ah, j'ai été un poil trop long. En même temps, c'est chaud, hein, parce qu'avoir le nombre de tués plus les points d'exclamation en S, en peu de temps, c'est pas facile. Ah ouais, ça paye pas beaucoup. Mais bon, ah bah si, les mecs gagnent quand même des levels. Bah Franky, oui, parce qu'il fait partie de mon équipage. À moins qu'ils aient pas du tout de level. Alors, qu'est-ce qu'on en gagne? On en gagne beaucoup moins. Mais ils nous serviront. Genre Burgess, Trafalgar. Non, je veux pas les mettre sur mon perso, justement. 60 000. Bah, c'est comme le mode histoire. Mais bon, mine de rien, on a quand même déjà mis. Mais ça commence à coûter tellement cher les levels là où je suis arrivé. Il m'en faudrait au moins 20 millions, je pense, pour mettre tous les persos à jour. Ok, donc on a défoncé la première île. Avec un. Alors, on nous dit qu'il y a des trésors. Donc, si on a le rang S, on a plus d'argent. Ok. Donc là, je peux aller au niveau 4. Et après, on aura le droit à Ace. Allez, on va tracer, hein. En tout cas, ce mode rêve est assez sympathique. C'est une autre version sans l'histoire. C'est un peu un mode libre, mais avec un. Je sais pas, on pourrait appeler ça du plateau ou autre. Sauf que là, on peut jouer avec n'importe quel perso. Et je ne sais pas par contre si on peut changer quand on veut. Donc, si je reviens un peu plus tard. Je me demande. Salle des costumes. Ah, Kainu. Bah lui, on va bientôt le rencontrer dans le mode story aussi. Vu que c'est un des amiraux,
qu'on va retrouver avec Barbe Blanche. Après avoir rencontré Kizaru. Ce sera un nouveau. Alors je crois que lui c'est mon pouvoir, c'est le volcan. En tout cas je crois que c'est la lave ou un truc dans le genre. Je sais que c'est lié au feu. Alors Vergo a commencé à combattre Akainu. Ah ben, le voilà. Ah mais il lui a déjà défoncé sa barre, pardon. Ah bah moi aussi, ah oui, non mais là je suis trop fort pour lui. Ah, c'est pour ça qu'il disait plus t'es proche du level et plus tu peux être gagnant quoi. Je sais même pas qui c'est qui est avec moi. Mon Twitch il est chiant là, il est en train de me brider. Oh les Bomberman. Il est avec nous Burgess ou pas? J'ai l'impression que oui. Ça veut dire oui. Bah alors les petites raclures. On est venu avec ses bombes parce qu'on n'est pas assez fort avec son épée. Non mais genre il l'a vaincu. Dire c'est quoi ces conneries, un mur ou pas? Alors je voudrais rentrer moi ici. Il va y avoir une entrée. Là. Voilà, on va prendre le territoire. Ça me dit rien ce décor, je sais même pas où on se situe. Mais bon. On fait le ménage, on avance, on verra. Y a pas de soucis. Allez, go go go. Voilà, c'est plus rapide, t'appuies sur un bouton. Là, c'est lui qu'il nous faut pour le territoire. Ça tourne la caméra. Ça, c'est bien quand il y a un boss. Par contre, moi j'ai avancé. Pourquoi la caméra elle s'est tournée? Tiens. Quoi ça, y'a un mec, ça brille, j'ai vu. Pourquoi? Bah voilà, il suffisait d'aller en face. Moi je dis ça, c'est bon. Cette entrée dans le Colisée Nord-Ouest, je pense qu'on pouvait pas faire mieux. Alors, Byvankov. C'est vrai que je suis habitué à ce qu'il soit avec nous. Ah ouh.
Alors, on va prendre comme ça. Je sais pas si c'est le meilleur choix. On va les rattraper. Allez, rentrez tous ici. On va prendre vite fait le territoire. On va faire de notre mieux. Alors par contre, je pense qu'il va y avoir du monde ici parce qu'on est à 200, on est toujours à la note C. Donc il va falloir beaucoup de points d'exclamation et ça va être pas facile à obtenir. On est le vieux chef là. Ah tiens, bah il sera pris avec. Voilà. Ça c'est radical. Et on est déjà à 800 kills. Moi je dis GG. On tabasse, on avance, on essaye d'aller vite. Il y a des pirates en plus. Alors avec qui Bah 10 pouces parce que moi je veux les tabasser tous. Hein. Et qui ça, Kuzan? Bah le voilà. Kick. Mais viens là. Ah, c'est celui qui utilise la glace, t'as. J'ai même pas pu l'affronter. Mais viens là. Bon. Ah ouais, le mec il fait le beau là. Ok. On a nettoyagé tout le coin. Quoi de mieux? Salut les mecs, excusez-moi, je fais que passer. Je m'excuse pour la tornade. Ah, il n'y aura pas assez de monde. Pardon, excusez-moi, putain, ils ont pop après les mecs. Allez, 1000 KO, putain, mais ça enchaîne à une vitesse. Bah, tu te la pètes parce que pour l'instant, on n'a pas. On a genre 26 levels d'avance, quoi. Moi aussi, je sais le faire, ça. J'ai même pas vu, je vis tellement vite là que j'ai tabassé le chef et tout avec. Par contre, c'est très dur à diriger ce truc. Bah, si vous arrivez. Ah, en fait, là, je leur mets deux coups. On n'entend plus parler d'eux. Même en mode histoire, si je prends le prologue, je serai facilité, mais on ressent pas cet écart aussi important entre moi et les mobs. Le fait qu'à la base j'avais hésité à prendre un perso un peu plus faible, histoire de le monter. Le truc c'est que je sais pas, il faudra que je regarde si on peut changer quand on veut. Ça pourrait être sympa ça. De toute façon, des persos level 1, je suis pas sûr d'en avoir, mais genre je pourrais tester Brooks ou des trucs comme ça. Peut-être Franky, je sais plus lequel est level 10. Au moins, ça tombe pour la prochaine mission si on a le droit de changer. Ça pourrait être sympa. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, calmez-vous bien, je vous ai dit que tout ça, ça m'appartenait. C'est mon chez-moi. C'est là, venez les gars. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je vous ai dit que c'était ma nouvelle demeure. Alors, par contre, là-bas il y a quelqu'un à affronter. Allons-y.
avant qu'il lui pète sa goule. Oh, c'est ma maison. Bah ouais, je le savais qu'ils allaient apparaître. Calcul stratégique. Et on est enfin passé en B. Mais à partir d'environ 200. Allez, c'est là-bas. Salut les gars. Bonjour, je viens pour le nettoyage de printemps. Merci. Ah bah là voilà. Ah, c'est une harpie la meuf, donc ouais, j'ai raison. Elle non plus, je la connais pas spécialement. Comment ça, le TP dans le sol? Alors, de où tu veux me carotter? Elle a un sabre aussi. Monnaie. Comment il y a du monde? Dire que ça va être pire, je pense, là après, dans le mode histoire. Bon, elle veut pas tomber dans les pommes. Hein. Ouh, qu'il y a du monde qui s'est mis devant moi. 1500 KO. Que t'arrive-t-il, mon jeune ami? Bam, territoire pris. Qu'est-ce qui se passe? Victoire, ça a été super vite. Eh ben, c'est juste bien. Bon, j'aurais pas le. J'aurais que le B, je pense. Ça me fera un A. Ah, j'ai eu le B. Forcément, il m'en manquait quelques tués. J'ai eu le S sur le temps. Non, mais sérieux. Voilà, avec ça pourrait être intéressant pour d'autres persos. Le Luffy est maxé, lui. Il donne automatiquement des pièces. Ok, aussi, il monte de niveau. Alors, on a des pièces ben, qui nous serviront plus tard, ça c'est sympa. Non, je veux pas les mettre. Ouh, 210 000, ça commence à payer. Alors, comme ça, je vais faire la première coupure. On n'a pas des super notes, hein. De toute façon, dans le pire des cas, comme ça on peut revenir plus tard. On essaiera de faire mieux.